Eric Pridge, Call on Me au 96.9, c'est quoi? Et on a le plaisir d'accueillir Frank! Merci, merci. Alors, Frank et Dominique Paquet, tu nous as fait découvrir, en fait, dans les festivals des Toon Country Western. C'est parce qu'on avait reçu deux CD de Frank ici à la station, puis étant donné que moi, le mercredi, je faisais des genres de Toon Country. Alors, on joue à c'est quoi le titre de la Toon Country, les auditeurs nous appellent, et on leur fait entendre une chanson, ils doivent trouver quel est le titre de la chanson. Puis c'est ça, puis là, quand j'ai découvert ces CD-là, ben j'ai dit, crème, c'est pas trop rose, c'est magique, c'est trop rose. Puis... c'est du bonbon. Et moi, ce qui me fascine de Frank, c'est que vous avez 51 ans, ça fait juste 2 ans que vous avez découvert que vous aviez une belle voix. Je sais pas si j'ai une belle voix, mais j'ai commencé à composer tout d'un coup. J'ai fait les bars 3-4 fois, c'est pas mes habitudes, j'aime pas ça. Je m'y mets à composer pour le fun, ça a été rentable. Mais j'imagine que vous êtes un amateur de musique country western depuis très très longtemps. Moi, j'aime toutes les musiques, j'aime tout le monde, à cause que mon chanteur, c'est comme un genre caillouche, puis Plume la traverse. OK. Aimez-vous Four to the Floor? Tout. J'aime tout. Marie-Chantal Toupin. Ah, ben oui. C'est des tops, ça. Bon. Moi, je me... T'as du caillouche, t'as du plume, puis t'as du frag, parce que c'est pas pareil. Bon. Puis là, avant de devenir un icône, parce que là, vous allez devenir un icône de la musique, là on est à la puissance ici. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Moi, j'étais dans une papeterie en sécurité ambulancier. Puis avant ça, j'ai fait toutes sortes de jobs d'infonderie, Canada Packer, Massey Ferguson, quand j'étais petit là. Des jobs durs. Et maintenant, il y a deux albums, Frac et Frac volume 2. En fait, il y a deux volumes. Et vous dites que le volume 2, vous l'avez écrit en 4 heures. C'est vrai, ben, ça? Je l'ai fait dans la même journée. Il y a quand même 11 chansons. 4 heures et demie. Oui, mais je veux dire, pas pour le musical, l'instrumental, seulement que les paroles des chansons. Vous êtes écrit, puis vous êtes assis, puis vous avez écrit ça. Mais vous deviez sûrement déjà les avoir en tête. Ça devait être des mélodies que... Marmotte, puis là, tu sais, il n'y avait rien d'écrit. Puis les danseuses? Les danseuses, ça c'était l'affaire la plus facile qu'il n'y avait pas. J'y éteins qu'une fois pour 10 minutes, puis la chanson dure. Il est allé là pour s'inspirer. On ne croit pas, M. Frank. Il est allé là pour s'inspirer. Ah ouais. Je vais juste donner une idée, là. Les titres, c'est bon, Café Noir, Cigarette, La Gigue à Dada, Les danseuses, Polka, Vive le Viagra. Ça aussi, c'est un peu vécu, ça? Bon, c'est triste, oui. C'est une chanson triste. Il y a Valses du Pontiac, Promesse d'Ivrogne, La Gigue, Madame Lavoie, Alice, La Galette de Louisville, Gigue, Le Métis, Reggie. Beaucoup de Gigue, celui-là. Oui, mais non, c'est à peu près. C'est égal, parce que le monde aime bien entendre du musical aussi. Tu tentes pas, tu peux le répéter puis le faire jouer, c'est ça qu'on me dit. Parce qu'on dit au monde, il y a beaucoup de tunes qu'on n'a pas entendues. On a 2 CD, puis on a juste joué 4 tunes à date, là. Fait que il y a beaucoup de succès là-dessus. Mais oui, rappelle-nous donc les 4 chansons. Donc. D'ailleurs, on veut qu'on les écoute tout de suite. Oui, là, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est vous qui décidez ce que vous voulez entendre de Frac. Ah, bonne idée. Alors, on va vous envoyer des extraits, Dominique. Oui, c'est ça. Je vais y aller par ordre la première semaine maintenant. Fait que la première semaine, on a entendu Ma prochaine blonde. Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tontons. Pas de secondaire 5, pas trop d'éducation. Ah, ben, moi, personnellement, c'est ma préférée. Moi aussi, j'ai entendu la première fois, je me suis dit, il me veut. Maudit tagasse. Mais tu sais qu'il y a une pièce de Molière qui s'appelle L'école des femmes. L'école des femmes, pardon, c'est exactement ça. Ah ouais? Arnold prend une petite fille, puis il veut qu'elle soit niaiseuse, comme ça, elle trompera jamais. Ah! Fait qu'il l'enferme. Non, c'est. Non, au deuxième degré, c'est du Molière. Non. La deuxième semaine, on a entendu Têtu de boss. En as-tu des tatous, c'est ta job? Hey! Tout le monde m'appelle le Têtu, c'est parce qu'on te jaloux. Mon boss, il m'aime bien mieux, eux autres m'aiment pas du tout. Hey! Quand j'arrive sa job, sont toutes là à me reporter. Ils ont toutes peur de moi, ils ont peur de se faire scaber. Ils m'appellent toutes le tête. Hey, on a le live en plus. Ils ont toutes peur de moi. Ça va, t'as pas de talent. Ah oui. T'as dit. La troisième semaine, on a entendu la préférée de Charles. Oui. Les danseuses. Oh, oui. J'ai été dans un club de danseuse, je te dis que ça sentait le swing. Y'en avait une assise d'un point avec 4 G-string. On m'a demandé pour la faire danser tout de suite dans le coin. C'est là qu'on était, pis c'est là qu'elle m'a dit: comment ça pour goûter? Comment que ça coûte à Montréal?
Et finalement, la semaine passée. Ça coûte cher. Faut être humoriste pour se payer ça. Pardon. Oh! Hey! Hey! Okay. Encore une fois, sa blonde va être contente. Hey! J'aime ça quand il marche avec son chandail rouge. Ouais, moi, je vais au 2,81. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Finalement, la semaine passée, on a entendu une autre préférée de Pat. Non, c'est ça? Non, Pat, c'est ma prochaine blonde. Ouais. Mais une bonne pareille. Cric crac, Timberjack. Cric crac, Timberjack avec son husque Burnham. Elle est la du sol, la meilleure doucheron du Canada. Cric crac, Timberjack, la meilleure au Canada. Elle est la du sol avec son husque Burnham. Hey! Voilà. Alors donc, téléphonez-nous au 790-CKOI pour savoir quelle chanson vous voulez que Frac nous interprète live. Vous pouvez aussi nous écrire à funradio@cquoi.com pour nous donner vos commentaires. Et vous, est-ce que les femmes et Frac, comment ils réagissent à vos chansons? 9 sur 10 qui entendent la chanson de ma prochaine blonde, c'est ouais. Pour elle qui la jette. Ah oui? Puis la dixième, c'est parce qu'elle est jalouse. C'est fait avec humour. Une blonde, je veux caler des gros tontons. Alors, téléphonez-nous pour savoir quelle chanson vous voulez que Frac nous fasse en direct. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller voir Frac au www.musicfrac.com. On vous donnera des coordonnées pour vous procurer l'album. Bon retour à la maison, tout le monde. C'est 16h51 minutes. Bon retour à la maison, tout le monde. Je vous rappelle qu'on est accompagné de Frac, qui nous a participé donc à notre concours Trouver le titre de la tune country. Si vous voulez en savoir plus sur Frac, c'est le www.musicfrac.com où on peut aller encore sur eBay et taper Frac et vous allez pouvoir vous procurer un des deux albums, c'est-à-dire le volume 1 ou le volume 2 et le volume 3. Et qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il l'a composé pendant la conversation. C'est-tu vrai? Pendant la pause, hein? Est-ce qu'il y a un troisième album en préparation? Non. Ça prend pas assez de temps à faire, ça fait que... Ça prend pas assez de temps à faire. Non, je vais le débuter peut-être tard à l'automne. Faut faire fonctionner le volume 1 et 2. Je viens de commencer. Ben oui, mais vous n'avez déjà vendu une couple là, d'albums? 5000 copies. C'est quand même bon. Très bon, oui. Compte tenu que vous n'avez pas de publicité. Non. Là, j'ai commencé avec Musicomandant de Gatineau. Ça fait à peu près un mois et demi. Puis ça va, c'est bien. Vous vivez en Outaouais? Vous vivez où exactement? Moi, je viens du comté de Pontiac, à 100 km ouest de Gatineau. Donc, ça vous a fait une bonne trotte pour venir nous voir ici à Montréal? Ce matin, j'ai parti de chez ma sœur Anna de Gatineau, moi puis Martin. Puis, ça prend seulement 2h20. Ah, c'est pas super. Pas super. Ah. Fait que Martin, c'est celui qui gère votre carrière. Excuse-moi, Charles. Pardon? Martin, c'est celui qui gère votre carrière. Mon éditeur, puis ici où est-ce qu'il va, il est animateur dans la station Chip FM de Fort-Coulonge. OK. Il fait une bonne job, c'est un pro. Puis je deal avec des pros pour aller loin. Nos auditeurs aussi sont des pros, alors on a un auditeur en ligne qui voudrait vous poser une question, Frac. Oui, alors c'est quoi? Oui, bonjour. Oui, à qui je parle? À Julien. Salut, Julien. Ben moi, j'appelais tantôt, en fait, pour voter pour entendre ma prochaine blonde. Alors, OK. Mais moi, je me demandais, dans la chanson, Frac dit « Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros totons ». Oui. On parle de quelle grosseur? On parle de quelle grosseur, Frac? Ma tête, c'est-tu assez gros? On parle de Dédé, je pense. Oui, oui. Je vais pour le « E », moi, je pense. Donc, tu votes pour cette chanson-là, Julien? J'aimerais bien ça l'entendre. Merci, bye-bye. Reste en ligne, Julien, on prend tes coordonnées. On va te faire parvenir le volume 1 et le volume 2 de Frac. Oh. Hey, on va y aller en musique, juste avant de vous entendre. Aimez-vous Outkast? Comment? Ben, qu'est-ce? Aimez-vous Outkast? Oui. Oui, oui, vous adorez Outkast. Oui. Alors, c'est une demande spéciale de Frac. Vas-y, Outkast, hey, 96.9, c'est quoi? Bravo à Michel Julien qui a été la plus rapide sur notre site internet pour identifier la bonne chanson qui était aujourd'hui Sum 41 et Pieces. Tu viens de gagner ton certificat cadeau pour aller manger chez Nichols. Bravo! Calme-toi, Elena! Alors, en termes de pourcentage, Frac, je dirais qu'il y a 70% de nos auditeurs qui veulent entendre
Ma prochaine blonde. Et il y en avait 50% qui voulaient entendre les danseuses. Et il y avait 40% qui voulaient entendre Jack. Tu calcules bien, bébé. Ah, parce qu'on a bien les auditeurs, ça dépasse de 100%. Ben oui. Ah, c'est incroyable. Conclusion. Conclusion. Frac va donner son 200%. Exactement. Alors, voici Frac qui a la puissance et nous interprète. Hey, bon printemps tout le monde. Voici ma prochaine blonde à chez quoi. Hey! Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tétons. Pas de secondaire 5, pas trop d'éducation. Non, monsieur! Mais que j'y dise quelque chose, elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer. Et puis crawler. J'pense ça va être dur de trouver une blonde comme ça. Oh yeah! C'est pas comme ça, 30 ans passés, aujourd'hui, ça crawle même pas. Mais j'y dis quelque chose, elle a besoin de m'écouter. J'veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Oh, oh. Dernier que j'ai eu, a fallu je la fourre dehors. Elle t'a folle ben raide, elle a abusé de mon corps. Avec toute l'expérience que j'ai, je me ferai pas encore fourrer. Tout ce que je veux, une blonde qui va crawler. Trouver une blonde comme ça, c'est pas comme il y a 30 ans passé. Avec toute l'expérience que j'ai, je me ferai pas encore fourrer. La dernière que j'ai eue, a fallu je la fourre dehors. Elle t'a folle bien, alors plus de mon corps. Prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tontons. Pas de secondaire 5, pas trop d'éducation. Mais que j'y dise quelque chose, elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. J'veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Bravo! 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 Génial! Alors,
c'était Frac. Moi, moi, j'ai juste une question à dire. Charles, à quand Frac à l'école des femmes? Oui. Très, très tard le soir. Non, mais si vous voulez donc en savoir plus sur Frac, c'est www.musicfrac.com. Il y a trois W, mais c'est pas grave. Oui, www.frac.com. Musicfrac.com, pardon. Et il est aussi sur webconnexion.com si vous voulez être sa prochaine blonde. C'est un site de rencontre, Frac, c'est une blague. Merci. Seulement sur appointement. Non, mais il y a peut-être une blonde. Avez-vous trouvé votre blonde? Comme c'est là, j'en ai cinq, mais ça a fait de la chicane. Ah, oh, ben, j'imagine. Merci beaucoup, Frac, d'être venu nous visiter ici à Fun Radio. Je remercie le 96,9. C'est quoi? C'est quelque chose. Merci beaucoup. Hey, au retour de la pause, on va voir les arts et spectacles avec Virginie, de la musique de Dumas qui s'en vient. Et puis, ben, téléphonez-nous au 790-CKOI ou encore sur Internet au funradio@c'est-quoi.com pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Frac? h 51 minutes. Bon retour à la maison, tout le monde. Je vous rappelle qu'on est accompagné de Frac, qui nous a participé donc à notre concours Trouver le titre de la tune country. Si vous voulez en savoir plus sur Frac, c'est le www.musicfrac.com où on peut aller encore sur eBay et taper Frac et vous allez pouvoir vous procurer un des deux albums, c'est-à-dire le volume 1 ou le volume 2 et le volume 3. Et qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il l'a composé pendant la conversation. C'est-tu vrai? Pendant la pause, hein? Est-ce qu'il y a un troisième album en préparation? Non. ça prend pas assez de temps à faire, ça fait que... Ça prend pas assez de temps à faire. Non, je vais le débuter peut-être tard à l'automne. Faut faire fonctionner le volume 1 et 2. Je viens de commencer. Ben oui, mais vous avez déjà vendu une couple là, d'albums. 5000 copies. C'est quand même bon. Très bon, oui. Compte tenu que vous n'avez pas de publicité. Non. Là, j'ai commencé avec Musica Mandate de Gatineau. Ça fait à peu près un mois et demi. Puis ça va, c'est bien. Vous vivez en Outaouais? Vous vivez où exactement? Moi, je viens du comté de Pontiac, à 100 km ouest de Gatineau. Donc, ça vous a fait une bonne trotte pour venir nous voir ici à Montréal? Ce matin, j'ai parti de chez ma sœur Anna de Gatineau, moi puis Martin. Puis, ça prend seulement 2h20. Ah, c'est pas super. Pas super. Ah. Hey, Martin, c'est celui qui gère votre carrière. Excuse-moi, Charles. Pardon? Martin, c'est celui qui gère votre carrière? Mon éditeur, puis ici où est-ce qu'il va, il est animateur dans la station Chip FM de Fort-Coulonge. OK. Il fait une bonne job, c'est un pro, puis je dis avec des pros pour aller loin. Bon. Nos auditeurs aussi sont des pros, alors on a un auditeur en ligne qui voudrait vous poser une question, Frac. Oui, alors c'est quoi? Oui, bonjour. Oui, à qui je parle? À Julien. Salut, Julien. Ben moi, j'appelais tantôt, en fait, pour voter pour entendre ma prochaine blonde. Alors, OK. Mais moi, je me demandais, dans la chanson, Frac dit « Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros totons ». Oui. On parle de quelle grosseur? On parle de quelle grosseur, Frac? Ma tête, c'est-tu assez gros? On parle de Dédé, je pense. Oui, oui. Je vais pour le E, moi, je pense. Donc, tu votes pour cette chanson-là, Julien? J'aimerais bien ça l'entendre. Merci, bye-bye. Reste en ligne, Julien, on prend tes coordonnées. On va te faire parvenir le volume 1 et le volume 2 de Frac. Oh. Hey, on va y aller en musique, juste avant de vous entendre. Aimez-vous Outkast? Comment? Ben, qu'est-ce que c'est? Aimez-vous Outkast? Oui. Oui, oui, vous adorez Outkast. Oui. Alors, cette demande spéciale de Frac. Vas-y, Outkast, hey, 96.9, c'est quoi? Bravo à Michel Julien qui a été la plus rapide sur notre site internet pour identifier la bonne chanson qui était aujourd'hui Sum 41 et Pieces. Tu viens de gagner ton certificat cadeau pour aller manger chez Nichols. Bravo! Comme-toi, Elena! Alors, en termes de pourcentage, Frac, eh bien, je dirais qu'il y a 70% de nos auditeurs qui veulent entendre Ma prochaine blonde. Et il y en avait 50% qui voulaient entendre les danseuses. Il y avait 40% qui voulaient entendre Jack. Tu calcules bien, bébé. Ah, parce qu'on a bien les auditeurs, ça dépasse de 100%. Ben oui. c'est incroyable. Conclusion. Frac va donner son 200%. Exactement. Alors, voici Frac qui a la puissance et nous interprète. Hey, bon printemps tout le monde. Voici ma prochaine blonde à chez quoi. Hey! Ma prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tétons. Pas de secondaire 5, pas trop d'éducation. Non, monsieur! Mais que j'y dise quelque chose,
elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Je pense ça va être dur de trouver une blonde comme ça. Oh yeah! C'est pas comme ça, 30 ans passés, aujourd'hui, ça crôle même pas. Mais j'y dis quelque chose, elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crôler. Dernier que j'ai eu, a fallu je la fourre dehors. Elle est folle ben raide, elle a abusé de mon corps. Avec toute l'expérience que j'ai, je me ferai pas encore fourrer. Tout ce que je veux, une blonde qui va crawler. Trouver une blonde comme ça, c'est pas comme il y a 30 ans passé. Avec toute l'expérience que j'ai, je me ferai pas encore fourrer. La dernière que j'ai eue, a fallu je la fourre dehors. Elle t'a folle bien, alors plus c'est de mon corps. Prochaine blonde, je veux qu'elle ait des gros tontons. Pas de second destin, pas trop d'éducation. Mais que j'y dise quelque chose, elle a besoin de m'écouter. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Je veux une blonde qui va m'aimer et puis crawler. Bravo! 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 Génial! Alors, c'était Frac. Moi, j'ai juste une question à dire. Charles, à quand Frac à l'école des femmes? Oui. Très, très tard le soir. Non, mais si vous voulez donc en savoir plus sur Frac, c'est www.musicfrac.com. Il y a trois W, mais c'est pas grave. Oui, www.frac.com. Musicfrac.com, pardon. Et il est aussi sur webconnexion.com si vous voulez être sa prochaine blonde. C'est un site de rencontre, Frac, c'est une blague. Merci. Seulement que c'est un appointement. Non, mais il y a peut-être une blonde. Avez-vous trouvé votre blonde? Comme si là, j'en ai cinq, mais ça a fait de la chicane. Ah, oh, ben, j'imagine. Merci beaucoup, Frac, d'être venu nous visiter ici à Fun Radio. Je remercie le 96,9. C'est quoi? C'est quelque chose. Merci beaucoup. Hey, au retour de la pause, on va voir les arts et spectacles avec Virginie, de la musique de Dumas qui s'en vient. Et puis, ben, téléphonez-nous au 790-CKOI ou encore sur Internet au funradio.com pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Frac?